Marie-Pierre Gézégoux, je suis ingénieure d'études au département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, le DRASM, qui est un service à compétence nationale du ministère de la Culture, qui a pour vocation d'enregistrer, de recenser, de protéger ce qu'on appelle les biens culturels maritimes, c'est-à-dire tous les objets enfouis au fond des mers et des océans, à vocation patrimoniale et également historique et archéologique. Alors, une partie de mes travaux sont purement administratifs et visent donc à l'enregistrement et à la protection des biens culturels maritimes face aux aménagements des littoraux. Mais la partie la plus intéressante est certainement la dimension recherche. Je suis spécialiste de la construction navale, du commerce maritime et de la navigation dans l'Antiquité romaine, c'est-à-dire de l'utilisation du bateau comme moyen de transport. Et à ce titre, je fouille des épaves de navires de commerce romains en terrestre, en fouille terrestre d'ailleurs de temps en temps, ou le plus souvent d'ailleurs immergé au large. Et une autre dimension de ce travail consiste à valoriser les résultats de la recherche et à les transmettre à deux publics différents. D'une part, le grand public, au moyen d'expositions, par exemple, dans des musées, de collaboration à des expositions, de conférences, de participation à des films, mais également de le diffuser auprès de la communauté scientifique par le biais de colloques et de publications. Donc il y a toujours un va-et-vient dans cette dimension recherche entre la recherche purement scientifique et la faire connaître l'avancée, les avancées des connaissances en termes d'utilisation de la mer, en ce qui me concerne, et de la navigation pour le transport des marchandises durant la période gallo-romaine. Alors, cela implique tout d'abord des travaux de terrain, qui sont les fouilles, qui nécessitent de la rigueur, de la précision, le sens de l'observation et beaucoup de curiosité aussi. Il faut arriver à se poser des questions, parce qu'un chercheur, en fait, on trouve pas comme Archimède dans sa baignoire, Eureka, ça n'existe pas. Hein. On se pose des questions, on émet des hypothèses, et sur le terrain, on va valider ou invalider, d'ailleurs, l'invalidation est aussi un résultat, et on va invalider nos hypothèses. Donc, il faut vraiment être attentif à toutes les micro-observations qu'on peut faire. J'en parlerai peut-être tout à l'heure précisément pour l'épave de Mandirac. Et puis cela exige également un sens du relationnel, puisqu'il faut animer des équipes. Aussi bien sur le terrain, pendant la fouille, il faut coordonner le travail de plusieurs personnes, chacune de ces personnes étant souvent spécialisée dans un domaine particulier. C'est un peu comme un chef d'orchestre, il faut arriver à mettre en musique les différentes partitions. Et puis, pour la valorisation auprès du grand public, c'est également la même chose, c'est-à-dire qu'il faut, et pour la recherche, pour la diffusion de la recherche, il faut trouver les meilleurs spécialistes dans chaque thématique, que ce soit en France ou à l'étranger, et puis organiser quelque peu le travail de chacun en essayant de comprendre aussi quelles sont leurs problématiques pour que les apports des uns et des autres s'agrègent au mieux dans le résultat final. Alors, je me suis intéressée au port antique de Narbonne au début des années 2000, parce que c'était une thématique nouvelle qui commençait à se développer dans le monde de la recherche après les fouilles de Marseille, les fouilles d'Alexandrie et puis les grandes fouilles en Italie, de Pise, de Naples qui se déroulaient à peu près au même moment. Il faut savoir que Narbonne était un des plus grands ports de Méditerranée occidentale. Le port de la première colonie romaine en Gaule, la province de Narbonnaise. Et alors que l'on savait pratiquement tout de l'exercice, de l'activité de ce port, puisqu'on connaissait par l'épigraphie lapidaire les noms de grands naviculaires, les noms des grands marchands de l'époque, des grands armateurs, c'est cet équivalent-là, on connaissait leurs noms par l'épigraphie lapidaire, on connaissait par l'épigraphie amphorique
le nom de d'autres négociants qui avaient acheminé les amphores sur les bateaux de ces armateurs. On connaissait les représentations des bateaux narbonnais par la mosaïque d'Ostie. La mosaïque d'Ostie qui montre des représentations de navires de grandes villes du pourtour méditerranéen, et évidemment la ville de Narbonne est parfaitement représentée sur cette sorte de bourse de commerce. Il s'agit d'une bourse de commerce où les grands armateurs de l'Empire montrent leurs navires et ce qu'ils sont donc capables de faire pour la diffusion des marchandises. Donc vous voyez, on connaissait les navires, on connaissait les marchands, on connaissait l'importance des marchandises qui avaient transité par le port, à savoir la céramique sigillée fabriquée dans l'arrière-pays, le fer de la montagne noire et des corbières, ça c'est pour l'exportation, et on connaissait le rôle de Narbonne dans l'importation du vin italique qui était ensuite à partir de Narbonne rediffusé par la Garonne vers Toulouse et vers l'océan, et on ne savait rien du lieu physique de ce port, de ces bassins, de ce à quoi il pouvait ressembler. Donc j'ai lancé un projet collectif de recherche en y associant d'emblée Corinne Sanchez parce que j'imaginais qu'une partie des vestiges serait terrestre, et moi je suis encore une fois spécialiste d'archéologie sous-marine, et bien m'en a pris puisque très vite il nous est apparu que l'essentiel des vestiges, pour ne pas dire 95%, pratiquement la totalité, allait être des vestiges terrestres. Donc c'est là que Corinne Sanchez a repris le projet collectif de recherche en main, et puis moi je suis partie vers d'autres occupations. Si ce n'est que quelques années après, donc en 2012, alors que Corinne avait déjà retrouvé une grande partie de ce fameux chenal portuaire, puisqu'on sait maintenant que Narbonne était un port d'embouchure, que l'Aude avait été détournée de son cours, et canalisé et qu'on y avait aménagé au Castello et à Mandirac un port d'embouchure dans lequel les navires importants accédaient, et puis qu'à partir de là les marchandises étaient probablement déchargées sur de plus petites unités pour accéder aux entrepôts qui devaient se trouver en ville puisque nous ne les avons toujours pas trouvés. Et donc à l'occasion d'un des sondages de vérification des données de la géophysique, puisque tout cela avait été découvert en faisant intervenir l'université de La Rochelle avec Vivien Matté, spécialiste de prospection géophysique dans des milieux humides, en faisant quelques sondages, des petits sondages de 4 mètres sur 4 mètres pour vérifier que les données de la géophysique correspondaient bien à ce que l'on interprétait, eh bien, Corinne Sanchez a eu la chance de tomber sur l'extrémité d'une embarcation. Et c'est donc avec plaisir que je suis revenue dans le projet pour fouiller ce bateau. Et là, je retombais tout à fait sur mes pieds et sur mes compétences. Voilà, donc Corinne a surtout travaillé, comme elle le présentera, je pense, elle-même, dans le cadre de ses rencontres, sur le dispositif portuaire, en général, et la découverte de cette embarcation piégée parce que réutilisée pour rehausser une des deux berges du chenal portuaire, donc utilisée pour rehausser une de ces deux berges dans l'Antiquité tardive, le chenal étant un emplacement fragile, notamment au niveau du méandre, l'embarcation a donc été probablement à la suite d'une tempête qui a endommagé cette berge, a été utilisée pour colmater la brèche et rehausser cette berge. Et du coup, cette épave vient compléter les données que l'on a sur le port, parce qu'on pressentait bien, d'après la configuration des lieux et surtout l'absence d'entrepôt à l'embouchure, qu'il fallait bien des petites unités pour convoyer les marchandises jusqu'en ville où les entrepôts devaient se retrouver protégés. Effectivement, on ne pouvait pas les laisser à 4 km dans une zone vierge, probablement peu fréquentée, mais tout de même avec des risques de vol. Donc, l'épave de Mandirac a permis de comprendre comment étaient construites et comment fonctionnaient ces petites unités. Pour cela, nous avons décidé de procéder à un démontage
d'un flanc intégralement et à une étude pièce à pièce de chaque élément constituant la charpente du navire. Donc tout a été démonté après que Corinne a enlevé le restant de cargaison, puisque le bateau a probablement été endommagé lors d'une tempête avec un résidu de cargaison qui se trouvait encore dedans. Tout ce qui était récupérable a été avant de mettre l'embarcation dans la berge, mais on a laissé tout ce qui était brisé. Donc il y a tout de même eu en premier lieu la fouille de ce restant de cargaison qui a permis justement de dater l'événement climatique du début du 5e siècle. Ensuite, nous avons démonté le plancher de cale, ça s'appelle le végrage, puis nous avons démonté les membrures sur tout un flanc, puis le bordé, la coque, puis la quille. Auparavant, nous avions procédé à des photos orthophoto pour photogrammétrie pour reconstituer l'épave en trois dimensions, et également nous avions procédé à des coupes transversales qui nous permettaient de reconstituer le plan des formes, parce que les vestiges sont très déformés par leur séjour, que ce soit dans l'eau ou sous la terre, et dans le cas de la reconstruction de la berge avec les tonnes de pierres qui avaient été mises à l'intérieur de l'embarcation pour rehausser le niveau de la berge, donc le bateau était extrêmement déformé. Donc il a fallu l'étudier. En l'étudiant, nous nous sommes d'ailleurs aperçus que ce bateau avait été construit avec pour partie des pièces en remploi. On a réutilisé des membrures notamment qui avaient servi dans une autre embarcation, qui ont donc été récupérées sur une embarcation qui ne naviguait plus. Et puis ce bateau a également été abondamment réparé. Donc il nous a fallu distinguer par les observations, mais tout cela s'illustre, les photos sont convaincantes, il nous a fallu distinguer les remplois des réparations, remploi étant donc lors de la phase initiale de la construction, les réparations intervenant durant la probable longue vie du bateau. Donc les réparations ont été nombreuses, elles ont surtout concerné la coque, le bordé, au niveau des bouchins, mais également à d'autres endroits, au niveau de la quille. Et puis nous avons étudié la construction du bateau, la construction elle-même. Et là, nous avons été surpris, toute l'équipe a été très surprise, parce que dans l'Antiquité tardive, on se situe à une période charnière où l'on va passer de la construction navale romaine classique sur bordée, c'est-à-dire qu'on monte en premier lieu l'enveloppe extérieure du bateau, chaque planche étant assemblée au moyen de languettes chevillées dans des mortaises, et puis on insère ensuite les membrures. C'est le bordé qui a le rôle le plus important pour la conception de la forme, mais aussi pour la solidité, la résistance de l'embarcation une fois qu'elle est achevée. Et la construction navale récente d'aujourd'hui, qui se met en place au Moyen-Âge, est une construction à l'inverse, sur couple. On va placer en premier lieu les membrures sur la quille, on va déterminer au préalable la forme des membrures, ce que l'on ne fait pas dans la construction surbordée, c'est le montage de l'enveloppe qui détermine la forme. Dans la construction sur couple, ce sont les membrures qui déterminent la forme, et ensuite on n'a plus qu'à habiller l'ensemble avec l'enveloppe extérieure. Et donc, dans l'Antiquité tardive, nous sommes dans une période charnière où on voit se dessiner cette longue transition d'un principe de construction à l'autre. Et donc, nous aurions dû trouver sur l'épave de Mandirac des éléments allant dans ce sens, à savoir un intervalle plus grand entre les languettes d'assemblage débordées, pour les parties hautes du navire, l'abandon du chevillage et peut-être même l'abandon des languettes, et avoir une construction telle que Jean-Marie Gassin l'a démontré pour la bourse, une construction de type alterné, avec une construction surbordée dans les fonds et une pour les parties hautes, une construction qui n'est pas tout à fait sur couple, mais qui s'en rapproche, puisque les membrures des parties hautes sont déjà en place. Et pas du tout. Nous avons eu la grande surprise de trouver une construction tout ce qu'il y a de plus classique, c'est-à-dire que si la cargaison ne nous avait pas daté ce bateau, on pouvait aisément le dater des premiers, deuxième siècles de notre ère. Alors, comment expliquer cela ? Plusieurs explications. D'abord, la longue vie du bateau.
Il n'a certainement pas été construit au début du 5e siècle. On sait par des sources écrites que certains bateaux ont des durées de vie de 80 ans facilement. On a notamment un contrat de Mistropasia qui est un contrat entre deux personnes qui s'associent pour emprunter de l'argent pour construire un bateau. Et ce contrat nous dit que les personnes ont remboursé leur emprunt pendant 40 ans et que le bateau a navigué 40 ans de plus. Et puis on a d'autres exemples dans diverses sources antiques sur la longévité des bateaux romains. Donc nous avons là un bateau abondamment réparé, un bateau qui navigue dans un espace de navigation particulier, puisque c'est le chenal portuaire de Narbonne, il est à l'abri dans ce chenal portuaire, on ne prend aucun risque, c'est-à-dire que si le bateau a une avarie grave, il suffit de l'amener à quai, de le décharger immédiatement, on ne lui fait pas traverser la Méditerranée. Donc tout cela pour expliquer que ce bateau, je ne peux malheureusement pas en dater la construction parce que les études dendrochronologiques ne l'ont pas permise sur les espèces qui étaient utilisées, les espèces de bois. Donc malheureusement, nous n'avons pas pu dater la construction, nous pouvons juste pressentir une construction relativement ancienne et une très longue utilisation. Et puis, le plus intéressant finalement a été l'observation, je dirais, des parties manquantes du bateau. C'est étonnant, mais... Alors pourquoi ? Tout simplement parce que au moment où ce bateau a été réutilisé, on a pris soin de retirer tout ce qui pouvait encore servir. Alors le gouvernail, l'accastillage, les ancres, les éléments du gréement, tout cela a été soigneusement vidé, démonté, enlevé, retiré, et a été retiré également le mât et tout ce qui s'y rapporte, le massif d'emplanture notamment. Mais ce massif d'emplanture, cette poutre longitudinale axiale qui sert à maintenir la cavité dans laquelle le mât vient s'insérer, ce massif d'emplanture a laissé des traces. Et nous avons donc pu en préciser la position exacte. Et la position exacte du massif d'emplanture sur l'embarcation de Mandirac ne correspond pas du tout à un mât normal gréé d'une voile carrée. Cela aurait pu être un mât équipé d'une voile à la livarde. C'est une voile qui est très avancée à l'extrême, à l'étrave du bateau, vers l'étrave, très avancée en direction de l'avant du bateau, et qui a pour particularité de mieux remonter au vent, de permettre de mieux serrer le vent. Et l'iconographie navale antique nous montre des exemples de livarde. Mais la position du massif d'emplanture ne correspondait pas non plus exactement à ce que l'on sait des mâts portant des voiles à la livarde. Et en fait, la position du massif d'emplanture correspond parfaitement à un mât de halage. La position du mât de halage doit être à un point d'équilibre entre la force de la traction et celle de la propulsion pour éviter qu'au moment de la traction, le bateau ne soit projeté vers la berge. Il est tracté depuis la berge, mais il faut qu'il reste orienté de telle manière qu'on puisse le tracter. Il ne faut pas que l'arrière vienne se coller contre la berge, rendant la progression difficile et inefficace et dangereuse d'ailleurs pour le bateau. À partir de ce moment-là, lorsque nous avons identifié qu'il s'agissait d'un mât de halage et que l'embarcation était probablement propulsée et émue de cette façon, eh bien, il a fallu passer à la reconstitution des parties hautes. Alors, je me suis d'abord tournée vers Jean-Marie Gassin pour retrouver les formes initiales du navire à partir de tous les dessins, les coupes qui avaient été réalisées. Il vous expliquera lui-même comment il procède. C'est un travail d'architecte naval. C'est le travail inverse d'un architecte naval, mais c'est le même. L'architecte dessine un bateau qu'il imagine et l'architecte naval de l'Antiquité, celui qui restitue les formes du bateau, eh bien, lui, il part de l'existant, des déformations, et il va chercher à retrouver quelle était la forme initiale de chacune des pièces bien déformées que l'archéologue lui soumet. Et à partir de ce plan des formes, on a pu procéder avec Fabrice Paul d'Edicom à la reconstitution de toutes les parties hautes et notamment d'un mât de halage. Et qu'est-ce qu'un mât de halage dans l'Antiquité et comment procède-t-on au halage ? Il a fallu pour cela se documenter, aller chercher dans les sources iconographiques, on a quelques représentations de bateaux. Dans les sources textuelles, on a aussi des indications qui nous racontent le mode de halage.
Et puis avec les sources modernes tout de même, comparées avec l'iconographie moderne, ce qui se fait. Plusieurs questions se posaient pour reconstituer le mode de halage des navires dans l'Antiquité. La première question était celle de la fixation du mât et de la fixation du câble de halage. Vous imaginez bien qu'un mât de halage doit être fortement aubané pour résister aux tractions qui s'exercent dessus. Le câble de halage doit être orienté de telle manière que on va éviter tout ce qui peut être gêne à la traction sur la berge. C'est toujours de la végétation, il y a des arbustes. Et puis, donc, première question, pour le halage, c'est ce point du mât et du câble de halage. Mais ensuite, plus précisément, halage humain ou animal? Alors, il y a des traces de halage animal dans l'Antiquité, notamment pour des bateaux de guerre et sur l'Antiquité tardive. Procope nous parle d'animaux utilisés, des bœufs notamment. Mais toute l'iconographie dont nous disposons ne nous montre que du halage humain. Donc, nous avons retenu le halage humain. Si halage humain à la corde directe ou à la bricole. La bricole, c'est un harnais que les haleurs portent pour augmenter la puissance de la force et la puissance de traction. Et là aussi, toute l'iconographie antique ne nous montre que du halage à la corde directe, alors que pour l'époque moderne, nous avons des représentations qui sont toutes des représentations au harnais. Ensuite, quel système directionnel? Utilise-t-on les gouvernails latéraux classiques ou une godille ou une perche ou des avirons? Donc, là, on a retrouvé plusieurs types, donc il a fallu faire des choix, plusieurs options, nous avons opté pour la godille. Et puis, le chemin de halage, donc nous ne sommes pas allés jusqu'à restituer le chemin de halage, mais nous avons des sources qui nous parlent des chemins de halage du Tibre à Rome et de toute l'organisation administrative mise en place pour l'entretien des chemins de halage. Et enfin, la dernière question était la vitesse de progression. Donc, pour un bateau d'une douzaine de tonnes, combien de personnes pour le tracter et à quelle vitesse ? L'estimation de la puissance nécessaire au halage dépend du plan d'eau sur lequel circule l'embarcation. Sur un canal où l'eau est immobile, on a estimé, d'après les sources modernes, que deux hommes peuvent tracter 80 tonnes une fois l'inertie vaincue et le mouvement enclenché. Donc pour notre bateau de Mandirac, sur l'Aude, un fleuve avec du courant, et un halage qui se fait face au courant et face au vent dominant, qui est la tramontane et qui est très fort, nous avons opté pour 2 à 3 personnages pour un navire d'une douzaine de tonnes. Pour cela, il a fallu évaluer le poids de la cargaison que nous n'avons donc pas retrouvé intégralement. C'est un travail qui a été fait par Jean-Marie Gassin, donc c'est ce qu'on appelle la reconstitution du port en Lourdes, qui nous donne le poids total que le bateau peut porter, peut transporter. Et nous avons, avec Edicom, repris toutes les formes d'amphores telles qu'elles avaient été retrouvées dans l'épave. Nous avons étudié le contenu de ces amphores, du vin, de l'huile, des sauces de poisson, enfin différentes denrées alimentaires. Et à partir de là, nous avons recalculé des poids associés au volume et à la nature des denrées contenues dans l'amphore pour arriver à disposer 400 amphores qui pouvaient tout à fait s'intégrer dans l'espace restitué par le bateau. Alors, en conclusion, toute cette étude sur l'épave de Mandirac nous a permis de restituer les formes d'une allège mue par halage dans l'Antiquité. Et il se trouve que cette épave de Mandirac est à ce jour la seule attestation
dont nous soyons certains, d'un bateau mu par halage. On en a des représentations iconographiques, encore une fois, mais physiquement, le seul bateau connu dans les espaces portuaires de l'Antiquité romaine, c'est le bateau de Mandirac. Il y a bien le chaland du Rhône à Arles, qui est exposé au musée de l'Art antique, mais de par sa forme, il est totalement différent et il est étranger à la famille des bateaux proprement méditerranéens. C'est un chaland destiné à naviguer sur le Rhône, autre type de navigation, il n'a rien à voir non plus avec l'Aude, mais du coup, il est adapté, lui, à son propre espace de navigation, qui est l'espace rhodanien. Donc, dans l'espace méditerranéen et embouchure méditerranéenne, l'épave de Mandirac est à ce jour la seule attestation de halage antique. Donc avec l'équipe réunie autour du projet Mandirac, nous sommes allés jusqu'au plus loin, au plus grand approfondissement que l'on peut faire dans un cadre purement de recherche. La dernière étape sera est dans les mains du musée, du Narbovia, et c'est la réalisation d'une maquette qui est en cours par Archimède, Isabelle et Henri Arquet, spécialistes de construction de maquettes, des maquettistes qui ont travaillé sur toute période, d'ailleurs, aussi bien des bateaux du 19e que des bateaux du Moyen-Âge, des bateaux fluviaux, tout type de navigation, des bateaux de pêche, des bateaux de commerce. Là. Et donc, ils ont en responsabilité la création du modèle physique, cette fois-ci, réduit de la maquette de l'épave de Mandirac. Et on peut toujours espérer, j'espère que nous y arriverons, c'est une pratique qui se réalise dans certains pays, c'est relativement rare, mais certains chercheurs ont la chance de pouvoir conduire leurs travaux jusqu'à ce point ultime, qui est la reconstruction grandeur nature et l'archéologie expérimentale, c'est-à-dire tous les tests que l'on peut faire à partir du moment où on reconstruit un bateau et où on éprouve physiquement, donc toutes les hypothèses sur le halage pourraient être testées grandeur nature, et dans le cadre du chantier de réinsertion de la Robine avec un charpentier de marine, M. Pajot, cette option est tout à fait envisageable. Donc j'espère personnellement qu'elle se réalisera, parce que ce sera le point d'aboutissement ultime auquel tout chercheur rêve.